Bonjour à tous. Je m'appelle Guillaume Lévesque, je suis le président fondateur de la société Unigrid Solutions et je vais vous présenter notre solution de gestion des énergies dans les bâtiments. Nous avons développé une solution dénommée WESBI qui unifie l'ensemble des données pour une efficacité énergétique optimale. La solution WESBI est la synthèse de la supervision, du pilotage, mais aussi de la sécurité dans le bâtiment tertiaire. La supervision, elle se manifeste par le fait que nous pouvons avoir toutes les données accessibles pour tout le monde, pour tout type de fluide, sur n'importe quel support. Le pilotage, il se manifeste par le fait que nous pouvons piloter tous les types d'équipements, qu'ils soient des équipements électriques, qu'ils soient des équipements dédiés au chauffage, à la climatisation ou à la qualité de l'air. Enfin, l'ensemble de la solution permet d'avoir une dimension sécuritaire puisque l'exploitant reçoit des alertes, des mails, dès qu'il y a des surconsommations concernant l'eau, le gaz ou l'électricité. Nous avons développé une solution qui est composée d'un logiciel et de matériel, une box, qui nous permet de réunir toutes les données en une seule et même interface. La caractéristique de cette solution est que, elle nous permet de réunir en une seule et même interface des solutions qui sont souvent propriétaires, mais aussi dans les bâtiments tertiaires, nous avons des matériels qui sont fréquemment incompatibles entre eux et qui sont en tout cas non connectables, quelquefois parce qu'ils sont vétustes, comme on l'a dit précédemment, le bâtiment vit, et donc tout au long de sa vie, des équipements complémentaires viennent s'adapter, s'ajouter dans les différents bâtiments, différentes salles. Mais en même temps, il nous fallait une solution qui soit pas seulement une solution de monitoring, pas seulement une solution de suivi des consommations, mais aussi une solution qui permette l'action. Donc, dans ces conditions, nous avons développé une solution qui nous permet de réunir toutes les caractéristiques d'une solution de gestion énergétique centralisée, c'est-à-dire que c'est une solution qui est multiprotocole, qui nous permet de développer une interface sur mesure, adaptée aux clients, pour que cela ne soit pas une solution, nouvelle solution technique placée dans un tiroir et non utilisée. Et enfin, notre solution, elle est particulière dans le sens où nous sommes une boîte à outils qui nous permet d'intégrer des installations, des équipements déjà existants et d'enrichir continuellement le bâtiment de solutions nouvelles. Dans ce contexte, donc la solution WESBI que je vous ai montrée s'applique à pouvoir récupérer l'ensemble des données de tout type de consommation, eau, gaz, fioul, électricité. Et nous pouvons suivre ces consommations d'une part à partir d'un accès local, mais aussi et surtout à partir d'un accès à distance via le cloud. Et cela est très important dans la dimension d'une gestion multisite, et notamment dans le contexte actuel, les services généraux des bâtiments peuvent s'assurer de la bonne efficacité des sites à distance, depuis leur domicile par exemple, ou en tout cas en limitant les frais de déplacement. Outre les consommations, le suivi des consommations immédiates que nous avons, et la capacité de pilotage des équipements, nous avons développé un système d'intelligence artificielle qui nous permet d'apprendre l'apprentissage du bâtiment et ainsi de pouvoir être complètement autonome en cas de survenance d'événements particuliers. Notre solution est parfaitement évolutive et nous avons développé une solution en forme de pack, à partir desquelles les installations sont préconisées, sont configurées pour nos clients. Nous avons développé donc par le pack WESBI Découverte, plus adapté pour les commerces de proximité. On parlait ce matin de tertiaire de proximité. Nous avons développé ensuite un pack confort qui nous permet de réaliser jusqu'à 8 actions, mais enfin un pack aussi premium, puisque suivant la taille de nos clients,
les besoins sont différents. En effet, nous équipons aussi bien des commerces de proximité, donc de 200-300 mètres carrés, jusqu'à des 8000 mètres carrés, comme des contrats avec Postimo ou le ministère de la Justice. Et donc, il faut qu'on puisse avoir une solution évolutive et qui puisse s'adapter à tout type d'équipement. Donc, les cas pratiques que je voulais vous montrer sont ceux relatifs à l'installation de la solution au sein d'une crèche dans un village de Alpes-de-Haute-Provence. Une crèche de 600 mètres carrés. Le besoin formulé par le directeur d'exploitation consistait d'une part en la supervision des consommations, mais aussi dans la réalisation d'économies, tout en gardant le confort des usagers. Donc, pour cela, nous avons adapté notre solution, notre pack découverte, et nous pouvons dès à présent piloter les radiateurs, piloter les climatiseurs, les lumières, et nous avons développé, grâce à notre logiciel d'intelligence artificielle, la capacité de pouvoir piloter à distance le fonctionnement des radiateurs et du chauffage, en fonction des horaires, des rythmes scolaires, par exemple, en l'espèce, de façon que les enfants ne soient pas pénalisés par les températures parfois rigoureuses dans les Alpes. Enfin, nous avons cumulé le tout avec un contrat de performance énergétique. Dans ces conditions, nous avons installé un véritable système de gestion technique centralisé qui nous permet de passer de la classe C à la classe B. Et donc, vous voyez visuellement les résultats de la capacité énergétique que nous avons pu constater après un an d'exploitation. Le deuxième exemple concret que je voulais vous montrer dans notre réalisation est dans le cadre de l'installation de notre système dans un laboratoire de 2800 mètres carrés, un laboratoire qui occupe des bâtiments tertiaires et dans lequel nous avons installé la solution et dissocié sept zones avec des besoins différents, alors qu'il s'agisse par exemple de la zone des laboratoires à proprement parler, de la zone de l'animalerie, la zone pratique, ont toutes des contraintes et des spécificités différentes, puisqu'il s'agissait d'un bâtiment qui s'est développé par adjonction successive de préfabriqués sans vraiment homogénéisation des systèmes électriques et énergétiques. Et donc, nous avons distingué sept zones avec des contraintes techniques particulières, puisque en effet, nous ne pouvons pas utiliser du sans fil pour tout ce qui est laboratoire, à cause des ondes radio-électromagnétiques. Mais en revanche, pour tout ce qui est administratif, là, nous avons pu installer une solution non filaire. Et ainsi, nous avons pu développer une interface unique qui permet de programmer, différencier les zones d'activité en fonction des horaires de chacune de ces équipements. Le besoin était de réaliser des économies, bien entendu, mais aussi de pouvoir assurer le confort des usagers. Donc, nous avons donc adapté notre solution OSB Premium et nous pouvons désormais piloter les pompes à chaleur, la centrale de traitement d'air, le pilotage des lumières, mais aussi et surtout adapter les contraintes de fonctionnement du laboratoire, puisque notamment en fonction des zones, en fonction des tests effectués, les contraintes sont les contraintes opératoires sont de 24 heures sur 24. Donc, dans ce contexte, nous avons pu passer le classement de la société de la classe C, classement énergétique classe C en classe B, avec un taux de rendement sur investissement de l'ordre de 3,5 ans que nous avons couplé avec un contrat de performance énergétique. En fin de compte, notre solution nous permet d'assurer le passage de la supervision à l'action en un clic
Parce que notre solution qui est brevetée est multi-énergie, multi-fluide, permet de nous adapter au matériel existant. En effet, nous avons développé une interface, nous avons développé des modules comme ceci qui permettent de nous adapter au matériel qui existe et ainsi de pouvoir limiter l'investissement au strict minimum. La solution est évolutive puisque nous pouvons adjoindre des modules en fonction de besoins du client. Enfin, je dirais que notre facteur clé est la capacité de pouvoir passer de la supervision au pilotage des actions en un clic. Et pour cela, je vous invite à apprécier notre interface sur notre website, sur notre site, westbillenergy.com, et vous pouvez faire des démonstrations, des réalisations en direct de notre logiciel. L'ensemble de notre solution a un avantage particulier et que nous avons, du fait de la dématérialisation de notre solution, nous pouvons démontrer un retour sur investissement assez rapide qui va de 6 à 48 mois selon les installations. Bien entendu, notre solution OSB qui est soutenue par les pouvoirs publics s'inscrit dans la démarche RSE et répond à tous les critères, décret tertiaire et décret BACS. En fin de compte, la solution OSB, je le résumerai en cinq mots-clés. Donc, c'est la caractéristique, c'est la flexibilité, c'est-à-dire que ce sont des modules qui se greffent sur l'existant et qui permettent de récupérer les informations en temps réel. C'est une solution unique, donc nous pouvons regrouper l'ensemble des données du client en une interface utile, efficace et ludique. La simplicité de la solution est démontré par la capacité de pouvoir passer de la supervision à l'action en un clic, avec vraiment notre volonté de pouvoir démocratiser l'usage de la technologie afin qu'il ne s'agisse pas d'une solution complémentaire placée dans un tiroir ou dans une armoire. Enfin, la solution est efficace puisque notre offre comprend des logiciels, mais aussi du matériel et qui nous permet de programmer toutes les actions à distance, en temps réel. Et la solution est surtout évolutive dans le système, dans le temps aujourd'hui. Ce qui est important, c'est l'interopérabilité, l'évolutivité de la solution, puisque nous pouvons nous adapter à tout type d'équipement, quel qu'il soit, et selon votre rythme d'installation. Donc, je vous propose de découvrir la gamme que nous avons développée, le matériel. Donc, le WES-PCI, c'est le concentrateur et les matériels WES-MPCI et WES-IO sont des actionneurs que l'on installe ou que nos partenaires installent dans les tableaux électriques afin de permettre les ordres d'action. Donc, je vous invite à découvrir toutes nos réalisations et une démonstration sur le site westbillenergy.com. Vous pourriez voir aussi nos livres blancs. Et je me tiens bien entendu à votre disposition pour toute information complémentaire. Voilà, merci Guillaume pour cette présentation. Là, j'ai coupé le PowerPoint. Pour bien comprendre, là, il y a quelques questions qui sont posées. L'intelligence artificielle dans la crèche, c'était lié à la météo, c'est ça que vous pilotez en fonction des températures? Alors, J'ai pas saisi la manière dont ça fonctionnait. tout à fait. Alors, en fait, initialement, on installe la solution et il y a une programmation qui est faite manuellement par le directeur d'exploitation. Et ensuite, en fonction de l'usage, en fonction de la météo, de l'élément extérieur, effectivement, les équipements s'adaptent en fonction du confort désiré, souhaité par l'opérateur. Ah oui, donc il met un premier élément et après le reste, ça Exactement. se pilote automatiquement. Moi, ce que j'en retiens, c'est qu'effectivement, on voyait sur la table ronde qu'il y avait une grosse difficulté qui était de rendre tous les systèmes interopérables. Ce que j'en retiens de votre solution, c'est que vous arrivez à rendre interopérables les différents systèmes qu'il y a et donc du coup à arriver à les piloter. Tout à fait. En fait, dans un matériel comme celui-ci, nous avons une carte électronique qui est brevetée, qui nous permet de nous adapter à tout type d'équipement, quelle que soit la marque et le modèle. Ainsi, nos partenaires, par exemple, ce sont des intégrateurs, eh bien, ils peuvent, en fonction des marques, des produits de leurs clients,
décider de tel ou tel, en fonction de tel ou tel programme installé dans la solution et tout de suite les adapter. Ouais. Et dernière question sur les contrats de performance énergétique. Alors, j'ai bien compris, c'est des contrats de performance énergétique, mais ça veut dire que c'est vous qui financez et qui vous payez sur les économies générées, c'est ça? Exactement, c'est ça. Tout à fait, en fonction des objectifs qui sont définis conjointement avec le client. Ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui, les objectifs que vous définissez, finalement, ils sont atteints? Alors, en général, nos objectifs, ils sont atteints avant la date prévue, parce que lorsqu'on peut piloter immédiatement des équipements, on arrive à un gain rapide, très rapide d'énergie. Justement, ce qui nous défère de nos concurrents, c'est la capacité de pouvoir passer du suivi des consommations à l'action en un clic, puisque nous avons adjoint du matériel à l'intelligence artificielle.